Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Immortals Phoenix Rising sur PlayStation 5. Du coup, nous sommes à la forge. Le dieu nous attend, j'imagine. Pas du tout. Faut la remettre en route, c'est ça? Donc on n'avait pas fini la remise en route de la forge, ok. Donc avant de lancer, j'ai escaladé. Tout au sommet, il y a quand même une ambroisie et puis un coffre. Donc ça vaut le coup de monter. Les fourneaux. Putain, j'ai l'impression que je vois rien là. Il y a un brouillard dégueulasse. J'imagine qu'il faut tout allumer. Salut sa addiction. Ça marche comme ça? Ça marche pas? Si, ça marche. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'ordre. Je vois qu'il y a des symboles en haut. Ah. Ah, si, peut-être. La hache, les cornes. Attends, on va tester cette théorie. La hache. Le truc avec les cornes. Oh. Mais... Et ça. Normalement, ça devrait être bon. Kimbix. J'ai tellement pas rejoué Animal Crossing depuis 20 ans. J'ai même pas vu la neige encore. Ça va être toi, sa diction. Attends, ça a pas validé... Ah si, ça a validé là. Ok. Ok. À quoi ça sert de mettre un indicateur s'il est faux? Chicken plein un pot, là. Ok, ça passe. Ce glyphe, je crois qu'il représente la forge. Et celui-là correspond à la statue, dehors. Ce ne serait pas des indices? Des indices. Mais du coup on peut forger ici. C'est drôle ça. Enfin drôle. Ah, je peux pas. D'accord. Faut peut-être allumer le deuxième. Alors. Qu'est-ce qu'il faudra faire là? On récupère ça déjà. Est-ce qu'il faut allumer les trois torches en temps imparti peut-être? Ouais, le truc pour ajuster la vitesse de la flèche, c'est vraiment hyper pratique. Hein. Sans ça, je sais pas si j'aurais réussi. Hein. J'aurais dû trouver un moyen, serait mis des plombes. Mince. Oui, bonjour, je ne sais pas jouer. Celui-là pourrait être un marteau. Héphaïstos possède le marteau le plus puissant jamais fabriqué. Ok. 100 mètres. Mario Michel. Oh le maille, ouais. C'est Addiction qui fait des travaux. Ma prochaine œuvre, je l'imagine avec de la neige. Héphaïstos, tu es là. C'est comme si la forge m'avait appelé. Je n'ai pas pu résister. À ce propos, j'ai dégagé les conduits, allumé les feux et fait tourner les roues hydrauliques. J'ai même débloqué d'étranges glyphes à l'intérieur, mais il ne s'est rien passé. Eh bien, j'en ai parlé à mes mains, comme chacun fait, et elles m'ont dit qu'elles étaient essentielles à l'opération. Elles doivent toucher les choses. Toucher. Zeus. Cet endroit est très ancien. On dit que tu as construit cette forge tout seul. Moi? Mais les citernes si sales, sans parler de l'éclairage. Attends, on sait pas ce que ça va faire. Ah.
Ici, tu as travaillé dur. Dommage que tu te sois occupé de choses aussi médiocres. Le passé du dieu boiteux est un cloaque. Son seul avenir, les feux purificateurs de la forge. Va-t'en, laisse-le brûler dans ses propres flammes. Héphaïstos, va-t'en! Ta stupidité dépasse de loin ton potentiel. Dommage que je doive rétablir l'équilibre. Ah non, les pires mobs est en mode boss. Et il commence déjà par faire la danseuse. Ah, you fucking serious. Allez, le timing, on aime. Ah, il a plus moins longtemps. Je sais pas si c'est les mêmes patterns, ça a l'air en tout cas. Ah, ok. Ouf. C'est un boss ça. C'est calmé par contre. La lance chargée c'est beaucoup trop fort. Pour étourdir les ennemis c'est même mieux que le bouclier je crois. Par contre non monsieur tu fais le pire truc là. Dans la vie. Aïe. J'ai plus d'énergie pour faire des doubles sauts au secours. Je sais pas si j'ai la portée. Mais si j'ai la portée. Et oui monsieur. Tente le gros coup de marteau. Fuck, on tente pas. Ah, le piaf est tourné pas mal aussi. Merde. Vaincu lieutenant automate, cliquetant. Héphaïstos! Montre-toi! Ah, tu n'as rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a tant de souffrance dans ces marques, de chagrin, de douleur. Du grand art. Je crois que tu as essayé de nous laisser un message. Moi? Comme cet avant-garde. Sûrement laisser un indice qui te permettrait de retrouver la mémoire, mais quelque chose d'incompréhensible pour Typhon. Tu peux déchiffrer ça? C'est incomplet. Héphaïstos, tu es un génie! Oh, il manque un morceau. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Ce n'est pas ta signature, Héphaïstos. C'est le reste de l'énigme. Un marteau, un feu de forge, la statue et cette boîte. Est-ce que tu sais ce que c'est, Héphaïstos? Naturellement, il l'ignorait, mais tous deux étaient en présence de la boîte de Pandore. As-tu osé encore l'ouvrir sur ce sujet, toi? Si je t'ai enchaîné à ce rocher, c'est pour avoir offert le feu aux mortels. Et la boîte de Pandore, tu sais ce que c'est? C'est leur châtiment. Tu as obligé ton fils Héphaïstos à forger une boîte capable de leur infliger tous les malheurs du monde? Elle est belle, ta justice. Héphaïstos a été ravi de s'exécuter. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a fait ce que tu lui ordonnais que parce que toute sa vie, tu n'as eu cesse de le torturer. Bon, tu arrêtes de parler de mon fils! Si Pandore a ouvert cette boîte, c'est par curiosité innocente. Toi, tu as agi par mépris. C'était un avertissement, et regarde ce qui s'est passé. Les mortels se sont entretués et ils ont ravagé le monde. Comme quoi, l'avertissement était insuffisant. Mais c'est terminé, tout ça. Ils sont transformés en pierre, on va être tranquille. La boîte de Pandore a été le début de la fin. Bon, avant tout, il nous faut un marteau. J'ai. Où est-ce que... Oh, peu importe. Je crois que ton ancien toi veut qu'on applique à ce marteau le pouvoir de la forge, et qu'ensuite,
On passe par là. C'est bien moi, ça. Si je comprends bien, ton essence est en dessous. Mais ça n'est pas tout. Je t'ai dit ce que c'était, ça. Oui, une boîte. Non. Enfin, si, mais... Elle a aussi renfermé toutes sortes de souffrances. Assez pour en remplir le monde. Et tu as souffert, Héphaïstos. Beaucoup souffert. Chassé du sommet de l'Olympe, rejeté, seul. Malgré toute ta générosité et malgré tous tes efforts, tous les dieux t'ont rejeté. Parce que tu étais différent. Cette boîte est le dernier indice. Typhon t'a volé tes souffrances. Et c'est pour cela que tu n'as plus de souvenirs. Alors, pour retrouver la mémoire et retrouver mon talent... Tu vas devoir ressentir les souffrances qui ont été enfermées. Vas-y. Bonsoir, Sir Drake. Comment ça va, monsieur le futur gendarme? Oh, des ailes. C'est bien ça, gendarme, hein. Je me trompe pas au moins. Alors attends, ça changera un peu. Elles sont jolies, mais. Ça changera, yes. Bonsoir, JL. De voir si ça fait des effets de particules. Du coup, faut monter, donc c'est bien ce qui me semblait. Avant de lancer l'épisode, j'ai escaladé toute la forge. C'était parfaitement inutile. Enfin, ça pouvait attendre, quoi. Du coup, on va le faire maintenant. Mais bon, il y avait quand même des choses à choper. L'un dans l'autre. Tu peux, genre, monter, s'il te plaît. Et je monte. Tout doucement. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai nettoyé la zone avant. Et si t'avais encore un robot chiant là. Hop. Fake, j'ai pas... Ah, le temps que je percute, au secours. Je suis invisible. Ça ne marche pas. Oh. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, au secours? Font peur. Faut me chercher de la vie. Tu peux arrêter de bouger, monsieur? J'arrive pas aussi. Ah, au revoir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Imprégner le marteau. Okay. En dépit de la chaleur intense, Phoenix poursuivit sa mission. Il plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Prométhée, on ne peut pas gober ça. Aucun humain n'est capable de manier ce marteau. Ni de tenir tes éclairs. Et pourtant, absorbant le pouvoir des flammes, le marteau se gorgea. Et Phoenix libéra ainsi la deuxième des bénédictions d'Héphaïstos. Le marteau désormais ranimé, et les souffrances d'Héphaïstos attendant en contrebas, Phoenix n'avait plus qu'à sauter. Hello Simon, le jeu, tu le joues avec une connexion? Dans quel sens, Simon? Je suis sur PS5, je sais pas s'il y a une protection, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des jeux avec DRM sur PC. Je sais pas si c'est le sens de ta question. En tout cas, moi j'ai aucun souci. Mais c'est la version PS5. Et du coup, attends, on a pas regardé en quoi consiste... Non, à chaque fois je me trompe. Merci. En quoi consiste la bénédiction exactement? Les parades parfaites synchronisées génèrent une puissante onde de choc. Ça, c'est les esquives et là maintenant c'est la parade, ok.
Elle nous un piqué. Bon, je vois qu'il y a des grands méchants. On va les laisser tranquilles si possible. Parce qu'ils peuvent être un peu chiants. Un cu-cu-cu. Nous y voilà. Parti pour le gros donjon, j'imagine, qui conclura cette partie du scénario. Mais du coup, en vrai, ouais, si tu rushes, le jeu va assez vite. Hein. Enfin, je dis ça, j'ai déjà plus de 20 heures de jeu. Ouf, jolie constellation. Phoenix sentit dans l'air un frisson qui était bien plus que froid. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette. Ça vient de Boré, vent du nord. Je le connais, c'est un cousin. Ah, et il ne t'en a pas donné. Vent du nord. Ouais, c'est joli. Alors attends, il doit y avoir un coffre là. Je sais pas, ils sont tous indiqués par un rayon lumineux, je ne sais pas. Non. Attendez. J'ai ma gâchette qui s'agite. Par là. Ah, la vibration de la gâchette. Ok, quoi, il y en a peut-être un tout à droite du coup. Pourquoi il y en a qu'un qui est pas révélé là? Attends, il y en a encore? Tu peux... J'arrive pas à trouver. Au moins 4. Ok. Et celui-ci, je sais pas si tu peux le faire. Hein. Je crois que t'es vraiment obligé de passer par les 4 divinités pour finir le jeu. J'en sors acide. Hop. C'est juste pour déplacer le vent. Ok. J'avais peur que ça bouge toute la map ou je sais pas quoi. Je dirais que je peux modifier le sens du vent. Okay. Bon, ça c'est le gros donjon. On risque de passer un petit moment. On peut pas escalader, on est d'accord. On est d'accord. Hein? Ah oui, d'accord. Ok. Mais tu t'appelles comme ça, Alex sous acide. Mais tu préfères qu'on t'appelle Alex? Seb? Le patatier, le citron moisi, je sais pas. Ouais, mais je me déplace littéralement, ouais, à l'horizontale. Hein. Mais non, je peux changer. Je serai le fils dont tu rêves. Qu'est-ce que... Me dis pas que le vent pousse la... Non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris. Je crois que le vent pousse la boule ! Mais qu'est-ce que... Au secours ! La boule ! Échangeur de charbon. Ok. Hein?
J'ai pas compris. Je vais aller chercher ce machin. J'ai pas compris. Oh punaise, le vent qui me... Faut le mettre là-dedans ? Attends. Comment... Elle bouge plus le truc là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment je restart le... Ah, il y a un bouton. Si on pousse comme ça continuellement... Tu le jeu de Joubert, le meilleur pseudo. Ça, on met ça dans le truc à droite, ça le transforme en charbon. Ouais, enfin, il est embrasé votre truc là. Ça va, Liotte. Bien ou bien? Qu'est-ce que... De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde pour en faire cadeau à l'humanité, Phénix enferma les tourments d'Héphaïstos dans la boîte de Pandore. Toutes ses souffrances, toutes ses inspirations torturées. Qu'est-ce que tu veux? Le petit est un artiste. De cette flamme émergea la malveillance infligée à Héphaïstos. Malveillance, tu parles. Héphaïstos a eu la vie facile. Oui. Tu l'as jeté de l'Olympe. Sa mère l'a rejeté. Les dieux se sont moqués de lui. Personne ne l'invitait jamais à dîner, ou alors, au mieux, on le décommandait à la dernière minute. Ça arrive, Prométhée. Papa est occupé. Salut, hardcore gamer. De retour. Bonsoir. C'est là que c'est normal, là, ce que je fais, là ? Je crois. Ok. Je veux bien masse de trucs pour la défense, s'il vous plaît. 40. Mais j'en veux pas 40, j'en veux 400 là. Oh. I need more. It's not enough. 150 mètres. Là ou là. Y'en a pas un autre là-bas là ? Si, y'en a un autre tout là-bas. Alors. Ah, faut ralimenter les 4 trucs, j'imagine. Ok. Eh ben, c'est parti. Natas me manque, me dit JL. Je sais pas s'il est encore sur. Oublie ta quête. Tes os. Marche sans fardeau. Oh là là. Ça, je sais pas, ça a l'air très chiant. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ok. Pourquoi je comprends, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai peut-être oublié de faire le début en fait. Voilà. Pourquoi je comprends, ouais. Mon accent. Ça fait monter une plateforme, d'accord, mais. Ah, mais si. Attends. Comment je peux faire? Attends, pourquoi je peux pas?
j'arriverai à la bloquer. J'ose espérer. Sinon, faudra mettre le bloc. Parce que là, du coup, il faudrait que j'inverse. Ça pousse la caisse en bois. Yes. Ok. Oui, sa addiction, le sang de la veine. Que Typhon nous emporte. Défait les cruautés que nous avons commises. Il y a un petit coffre à choper là. Encore de l'armure, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Black Lullaby. Virus, hein. Ah, le mec, il doit être majeur maintenant. Au secours. Mars, bah, je sais pas, j'ai pas dit qu'il y avait de cadeau de Noël, donc je pense que c'est pour ça qu'il est pas revenu. Lol. Alors, attends. Putain, je peux vraiment pas le bouger moi-même, ça. Ça va tout pousser là. Bon, on va refaire la même technique. J'espère que ça décale pas tout ce qui est en bas là. Ça a l'air d'être bon. Peut-être ainsi. Mais comment tu veux? Attends. Je sais pas. Ok, donc là c'est bon là. Ok. Ah, c'est pas fini. Oh fuck. Je vivrai dans la flamme et elle ne me consumera pas. Non, mais on parlait de... Comment as-tu pu? J'avais confiance en toi. Des jeunes qui sont arrivés sur la communauté qui avaient, tu sais, genre 13-14 ans, qui maintenant sont des jeunes hommes. Non, mais c'est pas fini, on aura fait que la moitié. Attends, parce que ça a l'air d'être la pire en fait. Pourquoi t'as une grosse boule là? Quoi elle sert? Pourquoi y'a une fucking grosse boule? Ah attends. La grosse boule. Là, faut qu'on mette un truc à droite et qu'il y reste. Ça, on va le coincer aussi. Par contre, faut pas trop que je le pousse parce qu'après, je pourrais pas récupérer mon truc. Je sais pas s'il faut se servir de ça pour...
Attends, faut que ce soit dans le même sens. Je vais tenter un truc. Nico, une légende. Ouais, mec. Attention, on met là pour que ça bloque la caisse. Ouais, il faut tourner le vent aussi. Ah, comme ça on est bon. Ou presque. Mais oui, t'es intemporel. Ah! Attends, parce que... Eh oui, d'accord, mais ça me permettra pas de bloquer la boule. Salut Sifox, qu'est-ce que... Merci Sifox. Oui. Merci bien, c'est adorable. Merci. Attendez, là je suis perturbé du coup. Parce que la boule... Attends, la boule on va la faire venir jusqu'ici. Mais le pire c'est qu'il a rien dit. Allô Sifox. Il a un bel avatar Minecraft, la bonne époque. L'époque où j'avais commencé YouTube. J'avais envie de découvrir et d'explorer Minecraft. Yeah. Qu'est-ce que... Minecraft, moi ce que j'aimais surtout, c'était l'époque qui allait avec en fait. L'époque où tout le monde s'intéressait aux jeux vidéo, aux let's play basiques, sans montage, sous coque, c'était pas mal. Ça fait quoi ça? Ok, du coup il faut souffler. Ouais, d'accord. Oula, la caisse elle est beurrée. Normalement on est bon. Hein. Ça faisait peur mais quand on prend le temps c'est bon. Faut juste pas que la boule parte, sinon c'est bon. On la garde en main. Et je parle du jeu, je parle pas d'acide. Bah oui, comme tu dis, les gameplays à l'arrache sur les jeux, ça marche plus trop. Faut faire du montage et tout. Vous aviez ma confiance. Mais là, le truc qui va partir dans l'infini de l'univers, là, non? Attends. Là, au moins, ça la retiendra. Ah! Mais oui, non mais... Ça la retient un peu trop en fait. Je pensais que j'avais la main quand même pour le... Parce que là, si je laisse comme ça, là, ça va aller se vautrer là. Mais non, mais... Pourquoi ça... Je crois qu'elle était en train de tomber, JPP. Je suis vraiment un yo-yo. Oh, yo-yo. C'est que j'ai pas envie qu'elle parte toute seule. Ah, c'est bon. Hi. Qu'est-ce que ça fait du coup? Ça la retient? Ça la fait remonter? Mais non, mais. Ok, c'est pas ça le truc. Je pensais qu'il fallait la faire descendre doucement. Au contraire, on va la lâcher jusqu'en bas.
sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Pourquoi il y a un système de courant d'air ici? S'il faut pas jouer avec. I don't get it. Mais ici Fox il a rien dit. Ah, c'est gentil. Attends, il y a un truc intermédiaire là. Qu'est-ce que c'est, je sais pas. Attends, faut l'emmener où? Ok. Salut Lulu. Il est où le machin? Ah, il est là. Attends, parce que là. C'est bon, il y a un mur qui retient quand même. Là, j'ai le pouvoir là pour l'emmener là, je vais pas me faire vanter, c'est bon. Des fois ça prend des courants d'air de l'infini et là ça prend rien, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ou alors le mur il protège très très bien, je sais pas, mais c'est un peu chelou. Ça va et toi Lulu? Bien oublié. Si ça rentre. Yeah. La zizanie, la plus sombre émotion des Phaistos, fut de nouveau enfermée dans la boîte de Pandore. La zizanie, sa femme ne l'aime pas et il a été condamné à des années d'exil. Mais bon, ça pourrait être pire. Ma femme à moi, c'est Hera. Mais le mec tacle les gens. C'est un jeu indé? Non, pas du tout, c'est Ubisoft, Hardcore Gamer. Ça n'a rien d'indé. Qu'est-ce que t'as avec? C'est quoi le problème, Sylvain? C'est très beau, Sylvain, non? On pourrait croire que... Je sais pas. Tu connais pas les êtres sylvains? Que les feux s'éteignent! Les petits êtres de la forêt. Attends, mais il va pas manquer un coffre, là? Il y en a un là, mais il n'y en avait pas un ici. Il y en a un là-bas, là. Je suis en train de me dire, mais comment j'y vais là-bas? Oh fuck. Je sais pas. Prends mon passé. Libère-moi. C'est un peu un mix entre un Zelda et un Assassin's Creed. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve ça plus intéressant qu'un Assassin's Creed. Alors attends. Je sais pas trop où on va. Ça a l'air d'être un peu grand. Si je tire comme ça à l'arrache, ça passe ou pas? Non. On peut aussi l'accélérer. De pas se faire fister. Ok, ça passe. Autant jouer à God of War 3. Bon, ça n'a rien à voir. C'est pas le même but. Après oui, c'est ce qui manquait dans le dernier Zelda, c'était des gros donjons. Comme à l'époque où ça repose à chaque fois sur... sur une mécanique que tu débloques au fur et à mesure. C'est là-haut, à 100 mètres. On va pas prendre de risque, je sais pas si ça passait les deux, mais bon. Donc voilà, on peut aller en face. Est-ce qu'on a envie d'aller en face? J'imagine que oui. On a pas trop le choix. Et je vole. Yes. T'as Zeus doublé par Lionel Astier. T'es pas fan de Lionel Astier toi avec ton humour? T'es pas fan de Kaamelott? Non, va pas trop vite Jean-Jacques. Merci. S'il te plaît, laisse-moi revenir. Je ferai tout ce que tu voudras.
Donc là, c'est les tourments de Phaistos qu'on entend. Oh, il combine les deux. On est passé au-dessus. Hein. What the fuck. Ça, parfait. Je sais pas si c'était normal que je passe comme ça par-dessus. On va pas s'en plaindre. Ah oui, c'est vrai, l'autre jour, j'avais eu deux bugs, je crois, dans le même live. Aïe. Non, non. Mais quelle salope. Bah, attendez, on va activer le checkpoint. Pardon, je m'emballe un peu. Aïe, aïe, aïe. On va pas faire le double saut, alors. Là, si je suis trop bas... Non, c'est bon, ça passe. Easy. Je sais pas de quoi vous parlez. Faut monter dessus. Oh, ça me rappelle le donjon avec l'épreuve, là, où j'avais envie de me tailler les veines. Attends. Un checkpoint. Where is the chest? Il est par là-haut. Pourquoi il y a une plateforme en bas? Pour repartir peut-être, je ne sais pas. Attends, on va pas être gêné là? Non, non, mais oui, Hardcore Gamer, pour l'instant la PS5. Sauf si t'es vraiment fan de Demon's Souls. C'est pas un must have. D'où le coffre? 30 mètres plus bas? 20. Quoi? Oh là là, mais regardez-moi ces lâches. Ils cachent les coffres. Toujours rien pour les armures. On aime. Je peux pas remonter. Do you foot off me? À moins que je puisse passer par le petit pilier là. Ok, calmé direct par contre. Oula, oula, attendez, oulala, oulala, oulala. On a bien un checkpoint d'activer là, je pense. Faut qu'on arrive à passer de l'autre côté en évitant les nuages de tuages d'endurance. Je sais pas comment on peut appeler ça. Pourquoi je descends? Oh lolo! Non, ça passe. Je me suis trop écarté un moment, je ne sais pas. Alors. Ouais. C'est pas fini. Calmé direct. Par contre, tu t'arrêtes, hein. J'arrive. Attends-moi ma petite bouboule. RE8, on a une date? Je sais même pas. Je serai toujours le dieu boiteux. Tu vas me gêner, toi. FF16, au début, j'étais persuadé que c'était un MMO, vu la tronche du truc. Enfin, je pensais surtout que c'était pas un Final Fantasy principal, entre guillemets. J'espérais être un peu plus charmé et porté que... FF15. On verra bien. Ah.
Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que je suis dans le donjon, hein. J'ai pas fait gaffe. Ah oui, ça fait des... Non. Comment on cancelle? Merci. Comme d'habitude, je maintiens la gâchette, du coup ça déclenche une compétence. Le désespoir émergea de la flamme illuminée et Phoenix le replaça rapidement dans la boîte de Pandore. Les forges sont allumées. L'air devrait être assez puissant pour me soulever. Regardez Phaistos. Quand on est comme lui, on se contente de ce qu'on a. C'est lui qui a pris Hera en otage pour exiger la main d'Aphrodite. Mais je savais qu'elle ne le toucherait jamais. Du coup, elle serait en sûreté FF7 partie et indisponible. L'idéal. C'est lui qui a cherché le désespoir. Je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, ça. Son fardeau était lourd, comme l'inquiétude de Phoenix. En retrouvant ses sombres souvenirs et en les rapportant à Héphaïstos, le condamnait-il à souffrir? La question le hanta tout au long de sa quête. Mère! Père! Ah, je me tiendrai mieux! Je le promets! GGJL. Il fait son taf de modo. Tu vois, des fois, t'as des trucs comme ça, on sait pas pourquoi c'est masqué. Peut-être parce qu'il a mis putain, genre, j'en sais rien. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Je peux quand même la tête. Ah. C'est bon. Quoi? J'ai pas compris. Je pensais que ça allait être dans l'ordre en fait. Bon, alors faut remonter et redescendre. Ce qui serait bizarre, mais. Je sais même pas à quoi ça sert en fait d'activer ça. Ouais. Je sais pas trop ce que je fais. On va pas se mentir. Une porte, ça ouvre quelque chose, je sais pas. Ça a peut-être débloqué la porte. J'en sais rien du tout. Peggy 18. Je t'en prie, Aphrodite. Parle-moi. Un petit combat de boss pour finir. Coucou. Polyphème, l'enragé. What are you doing, bitch? Je suis dans les airs. Ah, mais il fait du poison dégueulasse. C'est pas grave. Oui, mais je suis en train de voler, monsieur, en fait. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil d'être méchant. Ah, se calme, mister. D'accord, ça lui a rien fait. Il me faut de l'endurance, le jeu, donnez-moi. J'ai tout sauf les trucs d'endurance là, c'est insane. Le R de charger. Ok, le R de charger qui est pas passé. Oh.
éviter. Je suis en train de voler, monsieur. Je peux pas esquiver deux fois en volant, en fait. C'est pas triche. Meurtre au final. Ça dégage. Au niveau puissance, je suis bien. C'est vraiment juste la défense. Ça, c'est horrible. Il a changé à coup. Qu'est-ce que... Ah, en prochain jeu, faut que je revienne sur Demon Souls. J'ai joué que 2 heures à Demon Souls. Genshin Impact, bientôt la 1.2. Et après, il n'y a pas grand-chose, hein, donc on reviendra peut-être sur du Bioshock. Oh, ce qui fait froid. D'un seul coup, je me sens presque triste. Non. Après là j'ai beaucoup d'attaques en fait. Je suis assez content de mon perso. Il a de la régène, il a de l'attaque. Et l'étourdissement est toujours aussi efficace. La vengeance bouillonnait, à l'instar de la rage qui l'accompagnait. Tu vois, à chaque méfait que tu lui as imposé, Héphaïstos a laissé brûler sa rage et l'a métamorphosé en bienfait, ses nombreuses créations. La vie promettait d'être difficile pour le petit. J'essayais un peu de l'endurcir. Je ne me rendais pas compte du mal que je lui faisais. Malveillance, zizanie, désespoir et vengeance fusionnèrent pour reconstituer l'essence jadis prisonnière des Phaistos. Ah ouais, c'est ça Elliot, j'ai fait Bioshock 1 il y a 2 mois, un mois, je sais plus. J'avais bien aimé, donc je fais bientôt le 2 et Infinite. Mais d'ici quelques mois, ça prend un petit peu de temps. Héphaïstos, je suis de retour et j'ai ton essence. Héphaïstos ? Phénix espérait qu'Héphaïstos était à la halle des dieux. Et ben on verra ça la prochaine fois. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Pour en théorie la fin de cette zone et puis on ira découvrir la nouvelle. Merci bien, see you next time. Bye bye.